vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine make-up 2021. Je crois que c'est la première et la dernière de cette année, parce qu'entre temps si je change de produit pourquoi pas. Mais là c'est vraiment pour faire un petit update, c'est parce que je voulais revenir avec du maquillage, voilà. Même si j'avais dit que j'allais plus faire de make-up, je suis une grosse mytho parce que j'ai grave eu envie de me maquiller, donc voilà. Donc si ça t'intéresse de voir comment je me maquille en ce moment, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et follow moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Et oublie surtout pas de t'abonner sur ma chaîne. Cette année on doit avoir les 200 000 les gars. Wesh, arrêtez de me faire flopper. Arrêtez de me faire flopper, faut qu'on ait les 200 000. Évidemment, wesh, soutenez votre go un peu. Allez, sans plus tarder, on commence notre tu. Donc on va commencer par faire nos sourcils. Donc je le fais avec du savon hein, pour pas changer, ma technique n'a pas changé. Moi j'utilise pas de crayon sur mes sourcils. Donc hop, vous mouillez, vous prenez votre goupillon, vous frottez sur le savon. Franchement le savon c'est la base, hein. Les produits qui sont en train de fabriquer là pour faire les sourcils, franchement je trouve ça grave inutile. Moi mon savon coûte 69 centimes et ça fait vraiment l'affaire. J'ai zoomé pour que vous voyez bien comment je fais mes sourcils. Donc ce que je vais faire c'est que je vais brosser mes sourcils vers le haut. Donc assurez-vous bien que le goupillon n'est pas trop mouillé en fait, faut que ce soit collant. Faut vraiment que le savon soit collant en fait. Voilà, faut pas trop mouiller. On a bien, voilà, attendez, hop. Vous pouvez passer le doigt hein, si c'est trop mouillé. Voilà, je lève encore un peu, hop. Si vous voyez, donc là c'est bon, à part celui-là, hop. Faut vraiment qu'on voit que les poils sont bien levés. Exactement. Donc vous voyez, j'utilise pas de crayon, quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment que mes sourcils naturels. Hop. Et ensuite, ici, pour que ça fasse pas l'effet carré comme ça, vous allez venir hop, effacer un petit peu vos sourcils. Vous allez empiéter sur votre sourcil en fait pour que ça fasse naturel. Vous savez, pour que ça passe pas à un gros bloc comme ça et que... Le sourcil il se... comment dire, ça passe fake en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc vous venez dépasser comme ça sur le sourcil, voilà, histoire de... Donc ensuite on va venir mettre notre fond de teint, c'est le Huda Beauty. Ensuite j'utilise mon fond de teint Huda Beauty, donc c'est le full coverage. Malheureusement il n'y avait plus ma teinte, donc j'ai dû prendre une teinte au dessus parce que moi à la base je mets le cocoa. Attendez, là j'ai pris quoi? J'ai pris le mocha et à la base moi je mets le cocoa, mais bon, il n'y en avait plus. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va rattraper ça avec le contour. Donc c'est pas parce qu'on est ça en fait, c'est bon là. Donc je vais l'appliquer avec mon beauty blender. Et nouvelle technique les gars, que votre fond de teint ne bouge pas, vous pouvez rajouter avec de la poudre. Donc moi je rajoute avec la poudre Laura Mercier. Donc je la mets par dessus comme ça, hop, voyez. Donc j'ai mélangé les deux et je vais venir appliquer. Voilà. Et en fait ça va permettre de matifier encore plus les fonds de teint, étant donné qu'en ce moment on met des masques et que j'ai remarqué que le make-up a tendance à bouger quand on met le masque et c'est vraiment très très dérangeant. Donc du coup la technique de mélanger de la poudre avec le fond de teint elle est vraiment top, genre vraiment le make-up ne bouge pas du tout. Donc j'ai vu cette technique sur Instagram, sur l'insta d'une meuf, et franchement j'ai kiffé sa technique, j'ai vraiment kiffé. J'ai testé et j'approuve. J'aime bien que ma peau, elle soit, comment dire, j'aime bien les fonds de teint mat, mais j'aime pas l'effet trop mat. Je sais pas comment vous expliquer, mais faut qu'à la fin, j'ai un rendu glowy. T'as capté ce que je veux dire. Donc là, pour l'anti-cerne, j'utilise le Huda Beauty avec l'applicateur du Too Faced, parce qu'en fait, j'en ai plus. Donc c'est pour ça que je fais ça. J'ai plus de Too Faced, donc j'utilise le Huda Beauty qui est tout aussi bien. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui l'aiment pas, qui disent qu'il est trop couvrant, mais c'est la base en fait.
et du coup vous en rajoutez sur le coin de l'œil et vous les tirez vers le haut. En fait c'est pour vous donner un effet yeux en amande. C'est ça qui va faire que ça va tirer vos yeux. Donc vous le levez, voilà. Avant quand je mettais de l'anti-cerne, j'en mettais de ouf. Franchement j'en mettais de ouf. Descendez bien jusqu'à là. Mais là j'ai compris qu'en fait non poupée c'est pas comme ça. Sinon après c'est ça qui fait que après on est trop blanche en fait. Faut vraiment en mettre juste là et ça suffit. Donc là je suis en train d'appliquer sur toutes mes zones de lumière. Donc là je laisse reposer un peu pour voilà avoir un peu plus de couvrance. Je laisse reposer un petit peu. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir estomper. Donc je commence par le bas. Hop. Je descends bien dans le creux là où il y a mon nez. Et je monte. Allez, hop. Ça vous voyez bien ce que je fais. Vraiment de pas tirer votre anti-cerne partout sur votre visage pour ne pas ressortir blanche les filles, c'est super important parce qu'il y en a vous mettez trop d'anti-cerne un peu partout ici et donc ça fait qu'après vous avez le visage trop clair en fait alors qu'à la base vous avez utilisé un fond de teint de votre teinte. Mais si vous mettez l'anti-cerne partout sur votre visage ben vous allez être trop blanche en fait. Après c'est vrai qu'on peut rattraper avec le contour. Mais essayez vraiment de rester dans la zone de lumière et de ne pas dépasser. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir faire votre contour. Donc je prends le fond de teint Black Opal. À la base c'est un fond de teint, c'est pas un truc pour faire les contours. Mais moi je préfère l'utiliser parce qu'en fait il a une teinte archi chaude. Et ben moi pour le contour il faut vraiment une teinte très chaude. Même si moi à la base j'ai un sous-ton neutre. Je sais pas si ça se voit mais j'ai un sous-ton neutre. Mais moi je préfère les couleurs chaudes. Donc du coup hop, donc celui-ci je l'ai acheté à Château d'Ouen pour celles qui vont se poser la question. Je l'ai acheté à Château d'Eau. Château d'Eau, non Château Rouge. Et ça coûte même pas cher, ça coûte 10€. Et franchement les gars, regardez, genre ça réchauffe mon visage. Vraiment. C'est vraiment trop la base, genre je peux vraiment pas m'en passer. Faites attention à ne pas totalement supprimer, vous savez, le trait que vous avez fait avec l'anti-cerne. Que sinon ça va enlever l'effet des yeux en amande en fait. Donc faites attention à ne pas retirer. Donc j'en mets par ici. Hop. Voilà. Descends un petit peu sur le cou, pas trop. Hop. Voilà. Faut juste. Voilà. Et ensuite, hop, j'en mets un petit peu sur le front. Pas énormément non plus. Hein. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Elf Cosmetics que j'avais acheté à Londres. Il n'est pas disponible en France, mais sur internet, je l'ai vu sur fil unique. Donc, vous pouvez le commander là-bas. Je vais le mettre vraiment juste ici. Parce que moi, j'aime bien rajouter un petit peu pour vraiment que ma zone de lumière soit bien éclairée. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi, j'aime bien le mettre. Donc, voilà. Si vraiment la première couche d'anti-cerne elle vous suffit, et ben vous restez avec votre première couche. C'est pas grave, mais moi j'aime vraiment que mes cernes soient bien camouflées. Parce qu'en plus moi je dors pas beaucoup, donc j'ai vraiment besoin de bien camoufler mes cernes. Que voilà, hop, vous appuyez pas trop fort sur l'anti-cerne. Voilà, on veut garder la couvrance, sinon ça ne sert à rien. Donc vous estompez bien, mais sans appuyer trop fort. Donc là c'est bon, on a fini de camoufler nos cernes. Donc là on va venir appliquer notre poudre translucide. Donc ensuite pour humidifier, je sais pas pourquoi j'ai humidifié. Pour matifier, je prends avec un pinceau plat comme ça de chez Morphe. Et je vais venir matifier mon anti-cerne. Donc voilà, c'est ça en fait qui va nous permettre de ne pas avoir l'effet plâtre dont je parlais tout à l'heure, parce que la poudre Huda Beauty, si t'en mets trop, ça fait vite un effet plâtre et c'est pas ça qu'on recherche, même si on veut un teint qui tient, mais voilà, on veut pas avoir un teint tout figé là qui fait même pas beau, même pas propre. Et puis, voilà, hop, vous enlevez l'excès toujours. Voilà, vous venez mettre
sur les parties. Une fois qu'on a fait ça, pour pas changer, on prend le Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Hop. Non, je le prends pas avec ce... Je prends avec un pinceau comme ça, pas trop gros. Et je vais venir faire mon contour avec mon bronzer. Sur le nez aussi, hop. Pour accentuer le petit contouring du nez. Hop, voilà. Un peu par là. Vous voyez, j'ai utilisé des produits mat, mais j'ai pas un effet, tu vois. Il y a un peu de glow quand même, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qu'on veut quand on se make-up, on veut pas un visage figé en fait. Je vais venir mettre mes faux cils et je reviens vers vous. Pour mes lèvres, j'utilise le MAC Chestnut pour pas changer. Donc hop, attendez que je matifie d'abord le contour, vu qu'il y a des matières dessus, sinon le crayon ne se verra pas bien. Ensuite, un truc très ghetto que je fais en ce moment, j'utilise, c'est comment ça s'appelle déjà, ombre à paupières liquide que je mets parce que regardez la couleur nude qu'il a, genre c'est vraiment le nude parfait. C'est pour ça que je le remplace en fait et je le fais passer pour un gloss, tout simplement parce que j'aime trop. Et ensuite je viens prendre mon gloss. Mon gloss je l'avais acheté sur Elegant je crois, je sais même plus. Voilà, regardez. Parfait. Donc pour terminer on met de l'highlighter, donc l'highlighter de chez Too Faced. Et hop, je le prends avec mon pinceau que j'avais utilisé pour faire, vous savez, pour matifier. Donc je mets un peu comme ça sur le nez. Voilà. En fait, ça permet d'affiner le nez. Ça va permettre. Et ici, je fais des mouvements comme ceci. Voilà, vous en mettez pas énormément non plus. Très joli, hein. Pour terminer, là c'est vraiment terminé, vous mettez un petit peu de poudre, voilà, vous mettez un petit peu de poudre un peu partout sur le visage, pas d'ouf non plus, voilà. On fixe le tout et c'est terminé.